Merci de votre fidélité à Géopolis Télévision. Bienvenue à cette session d'information. Voici les principaux titres de l'actualité. Tête à tête ce jour entre le président Félix Tshisekedi et son homologue ougandais Yoweri Museveni. Les deux hommes d'État ont eu une séance de travail à huis clos. La situation sécuritaire en RDC était au centre de leurs échanges. À l'international, l'Angola, deuxième plus grand producteur du pétrole brut en Afrique, s'efforce de raffiner localement sa production. Bref, par la diplomatie régionale, arrivé en début d'après-midi à Entebbe en Ouganda, le président Félix Tshisekedi a été reçu au State House par son homologue Yoweri Museveni pour une séance de travail à huis clos portant sur la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Cet entretien entre les deux dirigeants intervient deux semaines après la réunion tenue à Kinshasa entre les officiers supérieurs des FRDC et des l'UPDF pour évaluer les opérations conjointes en cours contre les terroristes ADF au Nord Kivu et en Ituri. Toujours à propos de l'insécurité dans la partie est de la RDC, quelques jours après la cinquième réunion ministérielle, les experts de renseignement militaire de la RDC et ceux du Rwanda se retrouvent une nouvelle fois ce mercredi à Luanda autour de l'équipe de la médiation. La délégation congolaise et celle du Rwanda doivent rencontrer Tété Antonio, ministre angolais des Relations extérieures. Suivez. Selon le chef de la diplomatie rwandaise qui a annoncé la nouvelle, il sera question au cours de cette réunion d'examiner le concept des opérations qui sera présenté par le médiateur en vue d'accélérer la mise en œuvre de la feuille de route de Luanda. Cette nouvelle rencontre intervient après plusieurs ratés et grâce aux efforts menés par la médiation angolaise, Kinshasa et Kigali ne se sont mis d'accord que peu de choses, notamment la mise en place d'un plan harmonisé de neutralisation des FDLR et le désengagement des forces de l'armée rwandaise en RDC. Pendant ce temps, après plusieurs mois de cessez-le-feu entre les belligérants instaurés par le processus de Luanda qui est le cadre de résolution de conflits entre la RDC et le Rwanda, institué par l'Union africaine, les rebelles du M23 soutenus par Kigali ont relancé les hostilités en s'attaquant et en occupant déjà certaines localités du territoire de Walikale dans la province du Nord Kivu. Cette reprise de violence par le M23 a été condamnée par le gouvernement angolais, le gouvernement français et tout récemment par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans une déclaration rendue publique par la présidente du Conseil de sécurité, Pascal Christine Bayriswil, les membres du Conseil ont fermement condamné les récentes violations du cessez-le-feu par le groupe armé M23 en République démocratique du Congo et réaffirmé leur soutien au processus de paix en cours dans la région. La République démocratique du Congo et le Soudan du Sud avancent vers une gestion conjointe de leurs frontières. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, et le ministre sud-soudanais des Affaires étrangères, Gok Abdallah Ramadan Mohamed, ont signé un protocole d'accord à Djouba pour créer une commission technique mixte sur les frontières. Cet accord établit un cadre pour élaborer la méthodologie et le planning nécessaires à la démarcation des frontières dans le respect de l'échéance de 2027 fixée par le programme des frontières de l'Union africaine. Ces deux pays s'engagent ainsi à promouvoir la paix et l'unité. Suivez les propos du VPM Jacquemain Chabani. J'aimerais à l'entame de ce mot remercier le gouvernement de la République du Soudan du Sud d'avoir adressé au gouvernement de la République démocratique du Congo l'invitation pour la tenue des présentes assises, mais aussi les remercier pour l'accueil fraternel et combien chaleureux réservé à moi-même et à toute ma délégation. C'est aussi l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage et mérité à leurs excellences, messieurs les présidents, Salva Kiir, de la République du Soudan du Sud et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo pour avoir autorisé la tenue des présentes assises car ils désirent voir les peuples des deux pays vivre dans l'unité et la concorde et la paix. Il s'est de noter
que cette base juridique permettra à la commission technique mixte de pouvoir fonctionner sans embâge en vue du début effectif des travaux de démarcation. De ce fait, j'exhorte les experts de se mettre immédiatement au travail en vue de l'élaboration de la méthodologie et du planning des travaux pour la démarcation de la frontière commune. Cela dans le respect de la date butoir fixée à l'an 2027 par le programme Frontières de l'Union africaine, PFUA. Afin que toutes les frontières interafricaines soient délimitées et démarquées, c'est cela le vœu ardent de nos deux chefs d'État. En définitive, je reste convaincu que ces assises de la deuxième session entre nos deux États déboucheront certes sur des résolutions concrètes qui rencontreront certainement les attentes et aspirations de nos deux chefs d'État et ce, dans l'intérêt supérieur de nos deux peuples. Je ne voudrais pas abuser du temps qui m'est accordé pour ce mot. Cependant, je ne peux terminer sans souhaiter plein succès à ces assises. Retournons au pays où le débat sur la réforme constitutionnelle continue de diviser l'opinion. L'Église catholique et l'opposition politique s'opposent fermement à tout changement, invoquant un contexte peu propice. Damani Mujinga. La question de la révision constitutionnelle continue à alimenter les débats dans le public congolais, suscitant des réactions de part et d'autre. D'un côté, l'Église catholique n'est pas restée indifférente à ce sujet. Le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Donatien Cholet, a récemment exprimé une opposition catégorique quant au changement de la Constitution en vigueur depuis 2006 lors d'une interview accordée à Radio Okapi, estimant que cette démarche est une position politique dangereuse. Pour lui, le contexte actuel de la RDC n'est pas propice pour engager un tel changement. Donatien Cholet a fait savoir que ce projet de changement ou de révision de constitution qui a fait de mort ne passera pas sans un bras de fer social. Cela pourrait ouvrir un nouveau front de tension dans un pays déjà fragilisé, particulièrement à l'Est, avec toutes les tensions qu'il y a avec la situation sécuritaire exacerbée par l'agression rwandaise via le M23. De l'autre côté, à l'opposition politique, ça bouillonne. Les opposants ne veulent pas entendre parler de cette question sur la possibilité de retoucher la loi fondamentale. Martin Fayoulou ne va pas par quatre chemins pour prévenir le chef de l'État. Félix Tshisekedi joue avec le feu. Nous ne le laisserons pas toucher à la Constitution. Le peuple a besoin de l'intégrité territoriale, l'éradication de la misère, la sécurité, le respect des droits humains, mais également des institutions légitimes issues d'élections crédibles. Pour Fayoulou, la RDC a besoin de la cohésion nationale. Ce n'est pas à cause de la Constitution que plus de 115 localités du pays sont sous contrôle des forces extérieures et que le gouvernement se distingue par la gabégie financière, dit le leader de l'ECID. Moïse Katumbi, Matata Ponyo, Délie Sessanga et bien d'autres leaders de l'opposition s'alignent dans la même position, se montrant contre cette possibilité de retoucher la Constitution. Seule voix discordante à l'opposition, celle d'Adolphe Mouzito. Le président du parti Nouvel Élan se dit quant à lui favorable à un changement ou révision de la Constitution. Dans le cadre des relations internationales, la Cour constitutionnelle de la RDC et celle du Royaume du Maroc ont signé ce mercredi à Victoria Falls, au Zimbabwe, un protocole d'accord de coopération et cela en marge des travaux du 7e congrès de la Conférence de juridiction constitutionnelle africaine. Cet accord vise non seulement à intensifier les échanges d'informations à travers le partage des jurisprudences, mais aussi à mettre en place des formations conjointes pour aborder les grands enjeux juridiques communs. Patience le kéké.
favoriser le change d'informations à travers la jurisprudence entre les deux hautes juridictions sur des matières communes traitées en RDC et au Maroc, qu'un protocole d'accord a été signé ce mercredi entre la RDC et le Royaume du Maroc au Zimbabwe. Outre le change d'informations, ce protocole servira notamment au partage d'expériences à travers des formations sur des questions essentielles. La RDC et le Maroc, étant membres de plusieurs organisations internationales, devront, grâce à ces protocoles, former un bloc pour défendre leurs intérêts communs. Ces rapprochements ont été salués par le président de la Cour constitutionnelle du Maroc. Les juridictions constitutionnelles sont toutes les mêmes à travers le monde et bien entendu même en Afrique, parce que leur Bible, c'est la Constitution. Et nous voulons apprendre les uns auprès des autres comment on traite ces problèmes constitutionnels et comment on arrive à des solutions qui sont toujours conformes à la Constitution. À son tour, Dieudonné Kamouleta, accompagné du juge Sylvain Lumu, s'est réjoui de l'ouverture de la haute juridiction congolaise sur les continents à travers cet accord historique, une première dans l'histoire de la Cour constitutionnelle de la RDC. Pour nous, s'il y a une occasion, nous pouvons faire en sorte que le pays d'abord, parce que quand nous parlons de la Cour constitutionnelle, c'est la Cour constitutionnelle de la RDC. Si nous avons une opportunité de faire en sorte que les angles puissent s'arrondir et que la visibilité du pays puisse être accrue au niveau continental et surtout sur le plan scientifique. Signalons que le travail démarre ce soir par la réunion du comité exécutif de la CJK sous la présidence du Marocain Mohamed Amine, qui achève son mandat de 2 ans cette année. Il est également important de rappeler que le président Dieudonné Kamouleta participe à cette réunion en sa qualité de vice-président du CJK. Passons maintenant à la santé. Lors du colloque célébrant le 65e anniversaire du Commissariat général à l'énergie atomique, le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, a souligné l'importance vitale de la médecine nucléaire dans la lutte contre le cancer en République démocratique du Congo. Rachel Missinga. Sous les thèmes « Rayonnement ionisant et pharmacie nucléaire, fer de lance de la lutte contre les cancers en RDC », cet événement a mis en lumière l'augmentation préoccupante des cas de cancer dans les pays, un défi majeur pour les systèmes de santé. Le docteur Samuel Roger Kamba a, au cours de son intervention, insisté sur le rôle fondamental des rayonnements ionisants dans les diagnostics et les traitements des cancers, ainsi que sur le progrès significatif réalisé dans le domaine de la pharmacie nucléaire. Les rayonnements ionisants sont utilisés pour le diagnostic et le traitement des différentes formes de cancer. La médecine nucléaire permet des procédures qui sont souvent moins invasives et souvent beaucoup plus précises. Grâce à ces technologies, il est désormais possible de détecter les cancers à un stade très précoce, ce qui augmente considérablement les chances de guérison. La pharmacie nucléaire en RDC a vu des avancées significatives dans ces dernières années. Le docteur Kamba a également salué la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est engagé à renforcer les infrastructures nécessaires à l'accès à la pharmacie nucléaire. Nous travaillons en étroite collaboration avec des organismes internationaux pour acquérir de l'expertise et des ressources nécessaires pour mener à bien cette lutte contre le cancer. Le ministre a par ailleurs souligné l'importance de la formation continue des professionnels de santé pour les préparer aux avancées technologiques. Il a appelé tous les acteurs à unir leurs efforts dans cette noble cause. Enfin, le docteur Samuel Roger Kamba a insisté sur la nécessité de sensibiliser le public à la détection précoce et aux traitements disponibles. L'entreprise Aron Sefou construit l'avenue Bompété à Kitambo, à l'ouest de Kinshasa, pour désenclaver certains quartiers et résoudre le problème d'embouteillage. Cependant, cette entreprise fait face à d'importantes difficultés liées à la SNEL, à la régie des eaux, mais aussi aux questions d'expropriation. Suivez ce reportage, il est signé Francine Moukeba et Enika Bamba. Dans un souci de désenclaver certains quartiers de la capitale et de résoudre les problèmes des embouteillages, les gouvernements, via les fonds et les trésors publics, a confié à l'entreprise Aron Sefou la construction et la modernisation de l'avenue Bompété avec un délai de réalisation de 24 mois. À ce jour, un total de 1 km 600 m sur 2 km 634 m a été réhabilité, mais les travaux stagnent désormais.
L'entreprise est confrontée à plusieurs difficultés, notamment des questions d'expropriation, la présence des tuyaux de la régie des eaux et des câbles de la SNEL, et surtout, les financements s'étaient stoppés. Cette avenue fit un calvaire pour les habitants de cette municipalité. Les habitants de Kitambo plaident pour l'accélération des travaux et la modernisation d'autres routes afin de faciliter les désenclavements des sites partis de Kinshasa. L'avenue Bompété se situe entre l'avenue Bananier et l'entrée du cimetière de Musulman à son croisement avec cette dernière. Une fois réhabilitée, elle contribuera à désengorger l'avenue chrétienne. De Kinshasa, rendons-nous à présent en Ituri où le gouvernement militaire et la Fédération des entreprises du Congo ont signé un contrat de collaboration, un contrat qui va permettre de relancer les travaux d'asphaltage de la voirie urbaine de Bounia. La signature de ce contrat a eu lieu au gouvernorat de l'Ituri. C'est un reportage de la presse militaire de cette province. Dans le cadre d'améliorer les conditions de vie de la population itourienne par la construction des infrastructures routières, la modernisation de la voirie urbaine ainsi que la bonne gouvernance, la province de l'Ituri et la FEC viennent de signer un partenariat de financement. Les résultats sont palpables, les routes praticables, la ville de Bounia en pleine modernisation. C'est ce qui a motivé cette signature, reconnaît Lonema Bati Moukoua, président provincial de la FEC à Ituri. La convention pour l'asphaltage des voiries urbaines. Et notre convention avait déjà pris fin. Alors nous sommes censés toujours de collaborer avec le gouvernement provincial pour le bien-être de notre population. Mais avec le gouvernement provincial, ça va très bien. Nous osons croire que, comme nous venons de renouveler cette convention, et les travaux vont maintenant prendre d'autres allures et ça sera la satisfaction de toute la population ituréenne. Pour Dani Mugisa, président des importateurs des produits pétroliers en Ituri, l'objectif c'est d'atteindre 100 km de routes asphaltées, d'où une sensibilisation de ses pairs. Nous avons gardé le même contrat avec le même montant de 1 000 $ par camion-citerne et ça doit être continuel. Dans 5 ans, nous allons faire encore la différence d'atteindre au moins 5 km. Notons que la province de l'Ituri sous état de siège signe ses contrats dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle surtout d'émergence et du développement intégral en vue de trouver des solutions durables aux problèmes de la population. À ce jour, la ville de Bounia compte plus de 35 km de routes asphaltées. Ces contrats viennent
à Syrie. Vous voyez, c'est pour la postérité. En sport, le sélectionneur-manager Sébastien Desabre convoque 26 léopards de la RDC pour affronter la Guinée et l'Éthiopie lors de la 5e et 6e journée. Nous parlons là des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les rencontres sont prévues les 16 novembre à Conakry et le 19 novembre à Kinshasa. Blaise Kouzoula. En perspective des 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2025 face à la Guinée le 16 novembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et contre l'Éthiopie le 19 novembre à Kinshasa, le sélectionneur Sébastien Desabre a appelé 26 joueurs avec très peu de changements. En effet, par rapport à la liste précédente, on note seulement 3 réajustements. La présence en défense de Peter Kiosso d'entrée cette fois à la place d'Axel Twanzebe qui l'a remplacé au pied levé auparavant sans jouer la moindre minute. Au milieu, le jeune Lillois, Ngalaen Moukaou, 19 ans, signe son retour après une absence lors du dernier rassemblement. Il avait été convoqué pour la première fois en août pour l'ouverture des qualifications, mais avait finalement renoncé pour cause de blessure. Sauf révurément, il espère désormais fêter sa première cape avec les Léopards. Enfin, en attaque, on retrouve l'avant-centre Yohan Wissa, des retours lui aussi après avoir manqué la double confrontation avec la Tanzanie en raison d'une blessure à la cheville. L'ancien Lorienté est particulièrement en forme du côté de Brentford, en témoigne son doublé en championnat d'Angleterre le week-end dernier pour la victoire 4-3 de Bees devant le promis Ipswich Town. Du reste, le capitaine Chancel Mbemba, Arthur Masuaku, le gardien Dimitri Berto, Fiston Maele ou encore Silas Katompa sont tous bien là. Avec 4 succès en autant de matchs, 6 buts inscrits et aucun encaissé, l'RD Congo est largement en tête du groupe H et déjà qualifié à la CAN avec 6 longueurs d'avance sur la Guinée, son premier poursuivant et respectivement 8 et 11 points sur les deux derniers, à savoir la Tanzanie et l'Éthiopie. C'était il y a 50 ans, la capitale congolaise Kinshasa accueillait l'un des plus prestigieux combats de boxe du XXe siècle, le Rumble in the Jungle avec le face-à-face Mohamed Ali et George Foreman. Bien que ce combat ait opposé deux Américains et qu'il ait été calé aux horaires du public américain, il a eu un écho mondial et a suscité un considérable engouement sur le continent africain. Blaise Kouzoula nous en dit plus. Le choix de la capitale kinoise comme ville hôte du tournoi a rappelé les légendeurs Rumble in the Jungle où le 30 octobre 1974, Mohamed Ali a battu George Foreman dans un combat emblématique qui a marqué l'histoire de la boxe mondiale. Ce combat a inspiré des générations de boxeurs congolais. L'objectif de notre ancien président Mobutu, c'était tout simplement pour qu'il puisse expliquer à l'opinion du monde entier qu'il aime le sport. Le jour du combat, ça s'est déroulé la nuit, le matin, et nous informe que non. Et Mohamed Ali a battu George Foreman par KO. Donc c'était la joie au collège, comme si c'était un Zaïrois qui a gagné l'étranger dans le pays. L'ambiance était totale. Pour rappel, le 30 octobre 1974 à Kinshasa, Mohamed Ali et George Foreman s'étaient affrontés pour le titre de champion du monde de poids lourd. Une affiche de rêve pour un scénario dingue. Mais au-delà du contexte géopolitique et social, ces combats du siècle a été d'abord un chef-d'œuvre sportif entre deux champions et surtout une démonstration technique et mentale de la part de Mohamed Ali. C'est ces jours-là que Mohamed Ali était redevenu champion du monde de boxe poids lourd en mettant KO George Foreman 7 ans après avoir été déchu de son titre pour avoir refusé d'aller faire la guerre au Vietnam. C'était un événement sportif, culturel, politique, social, médiatique, planétaire organisé par le maréchal Mobutu. Tous les spécialistes pensaient qu'Ali allait se faire massacrer et prendrait sa retraite après ses combats. À 32 ans, il était en fin de carrière face à un colosse de 25 ans qui avait réduit à l'état de poupée de chiffon Norton et Frazier, les deux seuls boxeurs à l'avoir vaincu. Ali surprend tout le monde en faisant le contraire de ce qui était attendu. Il les mettra KO à 10 secondes de la fin du 8e round magistral. Et c'est comme ça qu'il est devenu ce que tout le monde prenait pour l'avantardise ou l'arrogance des Great Texts.
et en Afrique une sorte de Dieu vivant. Pour tous ceux qui veulent se rendre compte de la portée de cet événement, il faut absolument regarder When We Were Kings. La présence des meilleurs boxeurs amateurs africains cette année à Kinshasa rend hommage à cet héritage et témoigne de la vitalité et de la résilience de la boxe en Afrique. Rumble in the Jungle avait permis à Mohamed Ali à récupérer sa couronne mondiale de poids lourd. Kinshasa, quant à elle, reste le lieu mythique qui a servi de décor à cette belle confrontation. Cependant, malgré cet héritage grandiose, la boxe congolaise fait encore face à des défis importants. Beau souvenir. Et pour en savoir un peu plus sur le sujet, nous accueillons sur ce plateau Don Momat. Bonsoir, Don. Bonsoir, Patrick. Voilà, vous êtes journaliste ici à Géopolis Télé. On va déjà commencer. Quelles étaient les motivations et le contexte même de les motivations des acteurs de l'époque, à savoir le président Mobutu, l'ancien président, le promoteur Don King, mais aussi Ali et Foreman? Alors, très rapidement, pour le président Mobutu, il y avait principalement deux ou trois enjeux. Le premier, c'était que le président a été motivé d'organiser ce combat pour, en réalité, faire la promotion de son concept, le recours à l'authenticité. Puisque, rappelez-vous, quelques années avant, soit en 1971, un certain 27 octobre, le président avait instauré le recours à l'authenticité, qui au départ avait été qualifié de retour avant que le cardinal Malula ne puisse apporter le petit correctif pour parler du recours à l'authenticité, pour dire qu'on ne va pas tout rejeter, on va trier certaines choses dans notre passé et en effacer d'autres. Ça, c'est la première motivation, c'est-à-dire faire la promotion mondiale du concept recours à l'authenticité. Et Mobutu va faire en sorte de mettre en place une stratégie pour effectivement montrer à l'international que le noir, ayant recours à leur authenticité, se distingue comme des hommes, comme des occidentaux. Vous verrez même que toutes les délégations qui vont être amenées ici au Congo, venant des États-Unis, seront amenées ici par des avions de la compagnie Air Zaïre à l'époque. On avait la très iconique DC-10, le Boeing 737, piloté par deux Zaïrois comme le pilote Chunza ou Diassolo. Deuxième motivation ou enjeu pour le président Mobutu, c'était un peu, à mon sens, lorsqu'on analyse la situation, c'était tout simplement pour le prestige personnel, puisque à l'époque, Mobutu veut s'imposer comme étant le seul leader incontournable de l'Afrique face à un Senghor qui essaie un peu de les dévancer. Donc, en organisant ces combats-là, Mobutu voulait s'imposer comme leader de l'Afrique. Pour les trios, Ali, Foreman, Don King, comme on n'a pas assez de temps, on va dire que le premier enjeu, disons-le clairement, il est avant tout financier. Je rappelle que pour Foreman, par exemple, il a été champion du monde après avoir battu Joe Frazier. Joe Frazier, je vous le rappelle encore, avait battu un peu plus tôt Mohamed Ali dans ce qu'on avait qualifié au départ comme le combat du siècle. C'était en mars 1971 au Madison Square Garden. Joe Frazier avait battu Ali. C'était la première défaite d'Ali par KO. Et donc, Foreman ayant battu Joe Frazier, ayant battu Ken Norton, un autre champion, il n'avait plus de concurrents à sa taille pour retourner sur le ring. Et son manager à l'époque avait dit, vous voulez revoir mon champion sur les rings, mettez 5 millions de dollars américains. Et il n'y avait pas des preneurs. Et Mohamed Ali, de l'autre côté, revenait de 3 ans d'emprisonnement. Après avoir perdu son titre, battu par Joe Frazier, il a refusé d'aller combattre au Vietnam, il a été emprisonné. Et donc quand il ressort de la prison, il est down, il est KO sur le plan financier. Et il y a Don King qui s'élance dans sa nouvelle casquette des managers qui cherche également à faire de l'argent. Et on le verra toute sa vie, il sera vraiment dans ça. Et donc, il y a l'enjeu financier avant tout. Mais il y a également des enjeux nobles et personnels autour de tout ça. Foreman, par exemple, il veut faire taire un peu le Mohamed Ali, comme vous le savez, était un peu beaucoup plus bavard. Et Mohamed Ali considéré comme Foreman lui a volé les titres pendant son absence. Et donc Foreman veut le faire taire parce que Foreman a battu, je vous l'ai dit tantôt, Joe Frazier qui avait battu Ali et il a battu Ken Norton. Et donc Foreman veut mettre fin à la polémique, veut mettre fin à une prétendue rivalité qu'il aurait avec Mohamed Ali. Mohamed Ali cherche à récupérer la ceinture
et prouver qu'il est le champion de tout le temps, ce qu'il fera par la suite. Voilà, il s'est fait appeler par la suite de Griffiths dans le plus grand. C'était une belle revanche pour lui. Mais pour le Congo, ex-Zaïre, est-ce que le pays avait vraiment profité de ce combat? Alors, rappelez-vous que j'avais dit que pour le président Mobutu, il avait principalement trois enjeux. J'en ai cité que deux. Le troisième enjeu ou la troisième motivation, c'était effectivement des retombées économiques. Puisqu'ayant dépensé autant d'argent, il fallait tout naturellement s'attendre à ce qu'il y ait des retombées économiques par la suite. Ce qui n'aura jamais... ce qui ne s'est pas produit en réalité. Donc, du point de vue économique, financier, le combat nous a ruinés. C'était un gouffre. C'était un gouffre financier. Ouais. Par contre, sur le plan de la renommée du pays, c'était bien trouvé. Puisque jusqu'à aujourd'hui, souvent, parfois, lorsque vous voyagez, vous pouvez faire cette expérience, il est parfois difficile de vous faire reconnaître comme étant de la RDC. Mais quand vous dites que vous revenez du Zaïre, tout de suite, on vous identifie comme venant de ces pays au centre de l'Afrique ou de ces pays au centre de la forêt africaine. Voilà, c'était un pari gagné pour l'ex-président, le maréchal Mobutu. Merci, Don Mat, pour cet éclairage. On va poursuivre avec l'actualité, mais l'actualité en dehors des frontières congolaises. Nous sommes dans la page internationale. L'Angola, deuxième plus grand producteur du pétrole brut d'Afrique, derrière le Nigeria, avec une production autour de 1,1 million de barils par jour, s'efforce de raffiner localement une partie de cette production. C'est un élément de l'extérieur, mais qui est rendu par Marise Voleli. Si le mois d'avril 2025, l'Angola devrait mettre en service sa raffinerie de pétrole en cours de construction à Cabinda. Cette information communiquée mardi 29 octobre par Gemcorp Holding, l'entreprise qui opère le projet exécuté à 90%, marque un changement par rapport à la date de lancement initialement annoncée pour décembre après plusieurs reports. Une fois en service, l'installation devrait être en mesure de traiter, dans un premier temps, environ 30 000 barils par jour sur une capacité totale de raffinage de 60 000 barils par jour de pétrole brut fourni par Sonangol, la société publique chargée du pétrole et du gaz en Angola. Cette perspective suggère une potentielle réduction des importations de carburant du pays. En effet, selon des chiffres publiés par l'Institut des régulations de dérivés du pétrole, le pays a importé environ 80% du carburant qu'il consomme au cours du dernier trimestre de 2023, ce qui représente une dépense d'environ 1,17 milliards de dollars. L'organisme d'État souligne d'ailleurs une tendance à la hausse des importations de produits pétroliers. L'Angola a ainsi importé pour environ 1,5 million de tonnes métriques de carburant liquide au dernier trimestre 2023, en hausse de 56% par rapport au trimestre précédent. Le gouvernement angolais a décidé de relever le prix de l'essence et du diesel en juin 2023 et en avril 2024. Ces décisions ont été prises afin de supprimer progressivement les subventions au carburant. C'est l'une des ambitions que souhaite concrétiser Luanda à travers la construction de la raffinerie de Cabinda, mais aussi celle de Soyo et de Lobito, pour laquelle Sonangol a d'ailleurs attribué un contrat de gestion à la compagnie américaine KBR en mars dernier. Comme le Nigeria avant lui, l'Angola a fait un pas dans cette direction en retirant en août sa subvention dédiée au carburant. Un choix qui, selon la Banque mondiale, était justifié car le pétrole qui représente 25% du PIB et 60% de recettes fiscales et 95% des exportations imposent de contraintes structurelles entravant les potentiels économiques et la diversification. Et pour conclure cette édition, jetons un œil à l'actualité à travers les lignes de quelques journaux. Voici notre revue de presse, il est signé Damani Mujinga. «
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ouvrons tout de suite cette revue de presse avec cette nouvelle affaire de détournement. Dans une atmosphère électrisante, Africa News met en lumière l'intervention percutante de Vital Kamerhe qui, lors d'une plénière, a déterré des irrégularités budgétaires accablantes laissées par Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances. Kamerhe ne mâche pas ses mots, il évoque des dépassements budgétaires incroyables et des actes de mégestion qui font frémir alors que le gouvernement proclame des priorités pour le développement. En se basant sur des chiffres édifiants, il souligne que 450 000 milliards de francs congolais ont été engagés pour des dettes non certifiées au détriment d'un programme essentiel comme le PDL 145 territoires. La question brûlante de la priorité des dépenses publiques se pose et le président de l'Assemblée nationale se promet de tirer les responsabilités à l'issue d'une enquête approfondie. Dans un autre registre différent, Info 27 annonce que l'UDPS se prépare à mobiliser la rue autour de la nécessité d'une révision constitutionnelle. Sous la houlette de son secrétaire général Augustin Kabuya, le parti au pouvoir entend répondre à l'appel du président Félix Tshisekedi, soulignant l'importance d'engager un débat public pour ancrer la vision du président dans le paysage politique. Dans un contexte où l'opposition est perçue comme opportuniste, cette mobilisation pourrait être déterminante pour l'avenir institutionnel du pays. La référence plus, quant à elle, aborde le drame persistant des conflits dans l'est de la RDC. Malgré les efforts de paix amorcés à Luanda, les affrontements entre groupes armés et rebelles du M23 reprennent des plus belles. La reprise des combats serait, selon plusieurs sources, à l'initiative des frontistes contre le gouvernement de Kinshasa qui cherche à contrôler le territoire de Walikale, très riche en minerais du Nord Kivu, et cela passe par la prise de la cité de Pinga, une importante base de l'armée congolaise et ses alliés, où se trouve un aérodrome stratégique. En attendant de revenir sur les conséquences de cette nouvelle flambée des violences en RDC, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle vient quelque peu saper les efforts diplomatiques du président angolais João Lourenço visant à apaiser les tensions avec le Rwanda. Le cessez-le-feu décrété par Luanda n'aura duré que le temps d'un feu de paille. Forum des As n'est pas en reste en se tournant vers la justice. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé Mambou, a récemment ordonné le lundi 28 octobre l'ouverture d'une action disciplinaire à l'endroit du procureur de la République du parquet de grande instance de Kinshasa, Kinkole, Mpaka Mabiala et du magistrat instructeur Crispin Bouilly. Cette décision a été prise au terme de la visite d'inspection que le haut magistrat du parquet civil a effectué ce même lundi dans cette juridiction pour s'enquérir des circonstances du décès d'un prévenu le dimanche 27 octobre à l'Amigo de Kinkole, aussitôt informé et par conséquent tirer les conséquences sur le plan du droit. Une fois sur place, le procureur général près la Cour de cassation a fait un constat malheureux sur les conditions de détention des prévenus. Il y a de cela plus de 2 mois, les prévenus ne vont plus en prison et le principe selon lequel la liberté est la règle et la détention l'exception n'est pas respectée. Enfin, Géopolis Hebdo conclut cette revue sur une note optimiste en se concentrant sur la COP16 de la biodiversité. Alors que les discussions se déroulent à Cali, en Colombie, l'Afrique cherche à faire entendre sa voix. Avec une biodiversité impressionnante, le continent aspire à s'unir pour peser dans les négociations internationales. Charlie Fâcheux, vice-président de l'African Wildlife Foundation met en avant l'importance d'une approche collective pour défendre les enjeux cruciaux de conservation. Il souligne que l'Afrique est en train de s'organiser pour parler d'une seule voix, reconnaissant la force de l'unité dans la lutte contre les défis environnementaux. Fin de cette revue de presse, à bientôt. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, je vous en rappelle ces deux principaux titres. Tête à tête ce jour entre le président Félix Tshisekedi et son homologue ougandé Yoweri Museveni. Les deux hommes d'État ont eu une séance de travail à huis clos. La situation sécuritaire en RDC était au centre de leurs échanges. Et puis vous l'avez suivi, l'Angola, deuxième plus grand producteur de pétrole brut en Afrique, s'efforce de raffiner localement sa production.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur les antennes de Géopolis.